Au sud-est du Mexique, la péninsule du Yucatán sépare la mer des Caraïbes et le golfe du Mexique. Le Yucatán est un des hauts lieux de la civilisation maya. La péninsule couvre 3 États parmi les 31 qui composent la République du Mexique. À quelques mètres au-dessus du niveau de la mer, le Yucatán forme un plateau sans aucun relief. En différents endroits du littoral, la mangrove est un véritable sanctuaire de vie sauvage. La péninsule abrite une faune tropicale extrêmement variée. Plusieurs réserves de biosphère et des parcs nationaux ont été créés depuis de nombreuses années pour protéger un environnement riche mais vulnérable. Beaucoup d'espèces, certaines endémiques, ont joué un rôle fondamental dans la culture des Mayas. Des espèces animales mais aussi végétales. Une nature omniprésente qu'il faut contenir pour qu'elle ne recouvre pas le patrimoine archéologique. En grande majorité catholique, la population du Yucatán présente beaucoup de points communs avec celle du reste du Mexique. Les habitants sont très jeunes. Près de la moitié n'ont pas 20 ans. Les Mayas sont toujours bien présents au Yucatán. Ils représentent plus de 50% de la population et leur culture s'est enrichie de multiples influences. Dans les premières années de l'enseignement, les écoles du Yucatán sont bilingues. Elles associent l'espagnol et le maya, une langue longtemps restée orale, mais qui s'écrit désormais avec les lettres de l'alphabet latin. Les principes de l'habitat traditionnel des Mayas sont toujours appliqués. Ils font appel à des matériaux traditionnels et l'architecture moderne y a toujours recours. Seules les techniques de construction ont été perfectionnées. La période coloniale espagnole a laissé une empreinte bien visible dans l'architecture. Les bâtiments de cette époque font partie d'une histoire soigneusement préservée. La plateforme était souvent employée par les Mayas. C'est l'une des caractéristiques de leur architecture. Mais la figure la plus spectaculaire de leur patrimoine est la pyramide à escalier, dont le sommet, tronqué, servait de plateforme à un temple, comme sur le fameux site de Chichen Itza. La pyramide, bien sûr, fait penser à l'Égypte, mais les Égyptiens avaient à leur disposition des moyens techniques que les Mayas ne connaissaient pas. À Chichen Itza, on rend hommage à une divinité honorée dans toute la région, le serpent à plumes. Un terrain rectangulaire et des anneaux de pierre servaient au jeu de balles. Deux équipes se renvoient une balle de caoutchouc. Le but du jeu est de faire passer la balle dans le trou sans se servir des mains et des pieds. Les perdants, ou les gagnants selon certains historiens, pouvaient avoir la tête tranchée en guise de sacrifice aux dieux. Les Espagnols prennent possession du Yucatán au XVIe siècle. Ils négligent les objets rituels des Mayas car ils ne sont pas fabriqués en or. Dans leur résistance à l'envahisseur, les Mayas sont desservis par des rivalités internes. Les Espagnols triomphants imposent la religion catholique et une organisation très centralisée. Ils importent leurs traditions. La religion devient le prétexte de leur conquête et le ciment de leur empire. Malgré certaines velléités d'indépendance, le Yucatán se rattachera définitivement au Mexique en 1848. L'histoire du Yucatán connut de nombreux soubresauts, mais les traditions mayas sont toujours restées vivaces. À travers l'artisanat, les traditions trouvent également le moyen de se maintenir. Les matières naturelles, comme les fibres végétales, fournissent en grande quantité des matériaux faciles à travailler. La musique et la danse entretiennent elles-mêmes des traditions très anciennes.
La musique imprègne le séjour des nombreux touristes qui visitent le Yucatan. Le tourisme est l'une des principales ressources de la péninsule. Le climat chaud toute l'année et les plages de la côte Caraïbe attirent les visiteurs. Autant que possible, les petites infrastructures s'inspirent de l'architecture traditionnelle et s'efforcent de s'intégrer à la nature. Les activités nautiques et balnéaires peuvent se combiner avec l'exploration des côtes, des richesses naturelles que le Yucatan valorise avec ses vestiges archéologiques. Il y a de multiples manières de découvrir les sites, qu'ils soient l'œuvre de l'homme ou l'œuvre de la nature. Il est important ici de respecter l'environnement et de bien le connaître. Un bon moyen, séjourner au cœur même de la nature. Le Yucatan dispose d'un réseau de communication dense et étendu. Les énergies renouvelables complètent de confortables ressources pétrolières. L'aéroport de Cancun est pour des millions de visiteurs la meilleure façon d'accéder à la culture maya. Au nord de la péninsule du Yucatan, la ville de Cancun est une porte d'entrée de la Riviera Maya qui couvre une centaine de kilomètres de littoral sur la mer des Caraïbes. Au large apparaissent de nombreuses îles. Certaines sont des réserves naturelles. D'autres, comme Isla Mujeres, sont vouées au tourisme. Isla Mujeres s'étire en longueur sur près de 7 kilomètres. C'est l'extrémité orientale du territoire mexicain. Établie en partie sur le continent, la ville de Cancun a été conçue à la seule intention des touristes. Sur un cordon de dunes, un nombre impressionnant d'établissements hôteliers se succèdent à la suite des gigantesques travaux lancés à la fin des années 1960. Entre la mer et les lagunes, l'idée des concepteurs était de désengorger Acapulco, la grande station balnéaire du Pacifique. Et, de ce point de vue, il faut reconnaître que c'est plutôt réussi. Tout ici est prévu pour les loisirs et la détente. De grands champions de golf ont dessiné leur propre parcours dans une localité animée le jour comme la nuit. Pour mettre de l'ambiance, les mariachis sont des experts. Ils utilisent les cuivres et les guitares importés par les Espagnols. Les traditions régionales assurent l'essentiel du spectacle. Dans un autre registre, la nuit se prolonge dans des nightclubs qui promettent un spectacle total. Dans un déferlement de couleurs et de sons, on se laisse submerger par la fièvre tropicale. La mer des Caraïbes annonce la couleur de la Riviera Maya. Du nord au sud, la route dessert une région touristique créée à la fin des années 1990. Le long de la Riviera Maya, que l'on se tourne vers la mer ou vers l'intérieur des terres, le regard ne rencontre aucun obstacle. Devant l'absence totale de relief, quelques rochers se font remarquer au bord de la plage. Mais rien ne vient perturber la baignade familiale.
sa réputation ne connaît pas de frontières. La localité de Playa del Carmen s'est métamorphosée. C'était un petit village de pêcheurs. Il a été aménagé pour répondre à la demande touristique à la suite du succès de Cancun. Ici aussi, la mer offre de nombreuses ressources. Les visiteurs peuvent se familiariser avec les coutumes mexicaines. C'est pour eux que se réunissent les voladores. On peut assister aux prouesses des voladores un peu partout au Mexique. Mais les origines de la tradition sont aussi lointaines qu'obscures. Au son d'une flûte et d'un petit tambour, tête en bas, quatre hommes effectuent 13 rotations autour d'un mât. Dans certains cas, le but de la cérémonie rituelle était de mettre fin à une sécheresse. C'était aussi une façon de s'attirer la bienveillance des dieux. Là où le ciel est né. En maya, Siankaan. C'est le nom d'une réserve de biosphère au bord de la mer des Caraïbes. Elle est protégée par l'UNESCO et son accès est réglementé. Des guides mayas spécialisés peuvent y pénétrer en suivant des itinéraires très précis. C'est le cas d'Alberto Sencaamal. Il y a un canal artificiel qui a été creusé par les mayas entre Muyil et Chuniache pour pouvoir traverser la mangrove avec leurs canaux. Mais il y a aussi des canaux naturels. Là où nous sommes en ce moment, c'est un canal naturel de 8 à 9 km qui est relié à la mer. Dans la mangrove, les palétuviers se dressent sur leurs racines aériennes. Ils forment un enchevêtrement inextricable dans l'eau saumâtre. La géographie des lieux est connue depuis des siècles. Ce canal a été utilisé par nos ancêtres les Mayas pour développer le commerce. Les Mayas qui vivaient en Amérique centrale, au Guatemala, au Belize, au Honduras, voyageaient et se rendaient à la ville de Muyil. Ils y apportaient des marchandises comme le jade, l'argile, des pierres précieuses, des plumes de quetzal, de la cochenille, du cacao, du café, et les échangeaient avec les Mayas qui habitaient à Muyil. Des vestiges disséminés à travers la réserve rappellent la proximité de cette ville de Muyil, une des premières cités mayas de la côte Caraïbe. Mais le but de la réserve est avant tout de protéger l'environnement et les multiples espèces d'oiseaux qui ont élu domicile dans ce milieu semi-aquatique. Dans la réserve, nous avons 368 espèces d'oiseaux aquatiques ou terrestres. Certains spécimens de la faune locale restent dressés au bord de l'eau. D'autres préfèrent se laisser dériver au gré du courant. Une manière écologique et détendue de pratiquer la découverte, couleur nature. Toujours sur la rivière Amaya, le parc naturel Actunchen permet de comprendre la géologie très particulière du Yucatan. La péninsule est constituée d'un immense plateau calcaire, une roche très friable qui se laisse facilement pénétrer par l'eau et les racines. Le minéral et le végétal sont ici intimement liés, à tel point qu'il est parfois difficile de les distinguer. Racines et stalactites suivent le même mouvement vertical. Le plateau du Yucatan a émergé à l'époque du Jurassique il y a 150 millions d'années. Depuis, les pluies abondantes dans la région ont creusé le calcaire. Elles sont à l'origine des cénotes, une particularité géologique que Victor Arroyo connaît bien. Le mot cénote fut inventé par les Mayas et les Espagnols. Cenote est la vraie prononciation maya. À leur arrivée, les Espagnols cherchaient de l'eau. Les Mayas leur disaient tout le temps « cenote », que les Espagnols ont changé en « cénote » parce qu'ils n'arrivaient pas à le prononcer. Ça signifie « puits souterrain ». Ces trous dans le sol peuvent être ouverts ou fermés comme celui-ci, qui est en fait une grotte en forme de demi-lune. On y trouve de l'eau fraîche que les Mayas utilisaient pour survivre.
comme la pluie s'infiltre rapidement dans le sol, il n'existe pas de rivière à la surface du Yucatan. Tous les cénotes sont reliés entre eux par des cours d'eau souterrains qui vont jusqu'à l'océan. Il y a beaucoup de cénotes dans la péninsule du Yucatan. L'eau était vitale pour les Mayas. Elle l'est tout autant pour les animaux du parc, comme les cervidés ou les perroquets. Le perroquet est un animal fétiche du Yucatan. Il était recherché par les Mayas pour ses plumes qui ornaient les tenues des prêtres. Le pécari à collier était apprécié des Mayas pour son goût. Le singe était un de leurs signes astrologiques. Les parcs naturels permettent d'approcher les animaux sauvages. Les dauphins ne se font pas prier. Même proximité avec le lamantin, un paisible mammifère en voie d'extinction que les marins assimilaient à une sirène. Quant au crocodile, il n'inspire pas la même confiance. Face à la mer des Caraïbes, l'iguane peut rester immobile pendant des heures pour passer inaperçu. Fondu dans la roche, le site Maya de Tulum est parfaitement adapté à l'environnement. Les Mayas apparaissent au deuxième millénaire avant Jésus-Christ. Ils développent une culture brillante qui décline à la fin du premier millénaire de notre ère. Guerre, épidémie, sécheresse, les raisons exactes de leur déclin sont toujours inconnues. Les murs sont formés de blocs calcaires taillés grâce à des outils de pierre. Un mortier fabriqué avec du calcaire pilé et brûlé permettait d'assembler les blocs. Plusieurs édifices portent encore des traces de peinture et des sculptures en bas-relief. Les couleurs ont mal résisté au climat chaud et humide du Yucatan. La cité de Tulum n'est pourtant pas très ancienne. Elle était encore occupée par les Mayas lorsque les conquistadors espagnols sont arrivés. La ville fut abandonnée au milieu du XVIe siècle. Quelques temples furent encore fréquentés pendant quelques années, puis la ville disparut dans l'oubli. La forêt tropicale a souvent envahi les sites mayas. C'est le cas sur le site de Coba, l'un des plus vastes du Yucatan. De nombreux vestiges sont dispersés sur un espace considérable dont une petite partie seulement a été fouillée. Le jeu de balle a conservé les gradins destinés au public. Un calendrier atteste des connaissances astronomiques et mathématiques des Mayas. Leur calendrier comportait aussi 365 jours. Les distances sont grandes entre les édifices. Dans les cités mayas, les bâtiments ne sont jamais placés de manière aléatoire. Leur situation a toujours une explication rationnelle. Ainsi, le temple de Nohochmul se trouve dans une zone qui rassemble des constructions ayant la même vocation religieuse. À un carrefour, un édifice permettait de surveiller les mouvements dans la cité. Les bâtiments ont résisté parce que le calcaire, même s'il se travaille facilement, durcit avec le temps. Dans le village de Coba, une tradition maya se perpétue sous la forme d'une école de poterie. Les céramistes mayas appartenaient à une élite. Ils maîtrisaient des techniques élaborées qu'Augustine Villalba met à la portée de tous. Le but de cette école est de donner aux Mayas confiance en leur culture. Car durant la conquête espagnole, l'art maya a été oublié, et notamment la poterie. Dans la poterie, il y a énormément d'informations sur leurs dieux, leurs croyances, leur passé. La partie la plus difficile de mon travail est de changer la manière de penser de mes élèves.
et non de leur apprendre la poterie. J'essaie de leur faire comprendre la beauté de leur culture pour qu'ils en soient fiers. Les objets sont mis en vente pour donner à l'école les moyens d'acheter la matière première. À l'intérieur de la péninsule apparaît la petite ville de Valladolid. Elle a été fondée par les conquérants espagnols à l'emplacement d'une ancienne cité maya. Les ruines mayas ont fourni les pierres pour la construction de différents édifices. Valladolid se situe dans l'état du Yucatán. Le nom de la ville rappelle la cité qui fut la première capitale du royaume d'Espagne. Les rues tirées au cordeau sont typiques des villes créées par les Espagnols en Amérique. Le couvent de la ville fut créé par des moines franciscains. Les franciscains ont élevé les premiers monastères du Mexique. Les missionnaires ont joué un rôle majeur dans l'évangélisation des Mayas et des populations autochtones d'Amérique. Les Mayas n'étaient pas assimilés pour autant, car certains se révoltaient encore dans le Yucatán au milieu du 19e siècle. Les Mayas n'étaient pas des grands marins. Au Yucatán, la plupart des cités qu'ils ont créées sont implantées à l'intérieur des terres. Sur un immense territoire, le site de Ekbalam n'a livré ses secrets qu'au milieu des années 1990. Arturo Castaneda connaît bien l'histoire du site. C'est une des dernières cités fondées dans la péninsule du Yucatán. Elle était considérée comme étant aussi importante que Chichen Itza à cette époque. Maintenant, une des particularités de cet endroit, c'est que l'on sait comment les Mayas le nommaient. Selon les experts qui ont étudié les symboles mayas, la traduction correcte du nom maya de la cité, c'est Talol. Ekbalam est le nom donné par les archéologues quand ils l'ont découverte et qui signifie en langue maya « jaguar noir ». Certains édifices se trouvent dans un remarquable état de conservation. Certains détails de la pyramide avaient été recouverts de sable pour les protéger contre les profanations. Izamal est une petite ville qui porte toujours un nom maya. La localité n'a jamais cessé d'être habitée, même après le débarquement des Espagnols dans la région. Les Mayas ne disposaient pas d'animaux comme moyen de traction ou de locomotion. Ce sont les Espagnols qui ont introduit le cheval en Amérique. Mario Alvarez entretient une tradition familiale. La tradition des calèches à chevaux, c'est une tradition du Yucatán. C'était le moyen de transport habituel du village. Mais maintenant, ces calèches qu'on a ici à Izamal sont surtout destinées au tourisme. Nous avons exactement 27 calèches avec leurs chevaux pour promener les touristes. Ma calèche, c'est un héritage de famille, de mes parents, de mes grands-parents. Elle a 80 ans et moi, ça fait 30 ans que tous les jours, je la conduis. La couleur jaune est répandue dans toute la ville. Elle reproduit la couleur d'un monastère franciscain. Au milieu du 16e siècle, l'influence des franciscains était grandissante. C'est ici que les moines franciscains ont introduit le catholicisme. Petit à petit, la ville a été considérée comme la capitale du catholicisme au Yucatán et dans tout le Mexique. Au détriment de leur culture, les populations autochtones furent longtemps dominées par l'Église catholique. Le pape Jean-Paul II leur a rendu hommage en célébrant une messe à Izamal. La ville a été installée directement sur les monuments mayas comme pour les écraser. Mais c'était sans compter sur le nombre, la taille et le volume des constructions. Cinq siècles après l'arrivée des Espagnols, les édifices mayas ont toujours le dessus sur la ville.
aucune ville espagnole n'a été construite sur le site d'Uxmal. Les monuments sont formés de blocs parfaitement taillés. L'ensemble a été restauré, mais le site était mieux conservé que d'autres. Uxmal est aussi différent des autres. Le bas des monuments n'est pas décoré, contrairement aux parties supérieures qui sont généralement très richement ornées. Les parties hautes étaient en effet réservées aux prêtres et au culte des dieux. Les Espagnols avaient l'habitude de remplacer le nom maya d'un bâtiment par un nouveau nom. Ainsi, ils baptisèrent Quadrilatère des Nonnes, un édifice qu'ils croyaient être un couvent. C'était en réalité un palais destiné au gouvernement de la cité. Uxmal atteint le sommet de sa puissance, puis connaît le déclin en 150 ans à peine, au 9e et 10e siècle de notre ère. À l'époque, en Europe, l'architecture romane est à peine à ses débuts. La ville a-t-elle été conquise par une cité rivale? Une sécheresse exceptionnelle a-t-elle fait fuir les habitants? Il n'y a aucune certitude. Cap vers le nord. La totalité de la péninsule est en réalité une basse et vaste plaine. La capitale de l'État du Yucatan apparaît à 8 mètres d'altitude à peine, Mérida. Elle a été fondée dans la deuxième moitié du XVIe siècle. La cathédrale de Mérida est une des plus anciennes des Amériques. Des lignes austères expriment toute la puissance de l'Espagne conquérante. À côté de la cathédrale, dans l'ancien palais épiscopal, a été installé le musée d'art contemporain. Les œuvres d'art semblent retrouver les formes géométriques élémentaires mises en valeur par les Mayas. En réalité, Mérida est un musée à ciel ouvert. L'architecture coloniale a laissé de très nombreux témoignages sur lesquels le Mexique a posé son empreinte colorée. Pourtant, Mérida est parfois surnommée la ville blanche. Plusieurs édifices ont en effet été construits avec un calcaire très clair. Le Palacio Montejo a été élevé pour un conquistador. Le style néoclassique complète le panorama architectural d'une ville qui a fait la synthèse de toutes ses composantes. Entre l'église construite par les jésuites au XVIIe siècle et l'altar de la Patria, l'hôtel de la Patrie, un monument des années 1950 célébrant l'indépendance, l'histoire du Mexique a basculé. Mais le style de la culture maya est resté. Le monument rend hommage à tous les peuples d'Amérique unis pour clôturer leur passé colonial. Au début du XXe siècle, certaines familles de Mérida ont amassé des fortunes. Leurs maisons témoignent encore de leur réussite. La plupart de ces nouveaux riches étaient des exploitants agricoles. L'une de ces demeures fastueuses rassemble un éventail de différentes productions artisanales. Les croyances et les astres, les légendes et les rites, tous les sujets de prédilection de la culture maya sont représentés. L'un des produits typiques de Mérida, le hamac. Hamac, un mot originaire d'Amérique centrale. On réalise un hamac de bonne qualité en suivant une méthode ancienne et rigoureuse. Les premières traces de hamac datent de plus de 3000 ans. Ce sont les Mayas qui vivaient sur cette terre
qui ont commencé à les fabriquer avec leur forme classique au moyen d'un châssis en bois, d'aiguilles et de fibres. Pour savoir si un hamac est de bonne qualité, il faut vérifier que le tissage soit serré, très serré. Un hamac qui est fait de manière économique ressemble à ça. Là, vous voyez, les fils sont très espacés. L'apparition et la disparition du soleil intriguaient les Mayas. Une bonne partie de leur cosmogonie est basée sur les mouvements solaires. L'agave est une plante originaire d'Amérique. L'une de ses variétés a fait la fortune de nombreux propriétaires terriens au Yucatan. Dans une authentique hacienda, une exploitation agricole, on récolte les feuilles d'agave. Elles contiennent des fibres très résistantes qu'on appelle ici henequen. La fibre est aussi connue sous le nom de sisal. Ici, le sisal est produit d'une manière très pédagogique. Sandy Areli Flores Gongora. C'est un musée vivant. Ici, il y a des gens qui travaillent, des gens qui produisent. C'est le seul musée vivant de henequen, de toute la péninsule de Yucatan. C'est l'endroit où vous pouvez voir l'ensemble de la production, depuis la plantation jusqu'à la manière de fabriquer les différentes cordes dans une corderie. Ici, on fait tout manuellement, à la manière des haciendas. Tandis que dans les usines, comme il y en a à Mérida et dans différents pays, le processus est industriel. Henequen est le nom maya du sisal. Les Mayas le réservaient à un usage domestique. Les Espagnols vont donner au sisal un usage planétaire en l'exploitant pour les cordages des bateaux. Le succès ira croissant. À l'apogée de son histoire, le sisal du Yucatan fournissait 90% de la matière première des cordages fabriqués dans le monde. La production, désormais anecdotique au Mexique, s'est déplacée en Afrique. Un millier d'haciendas assuraient la production. Certaines d'entre elles se sont reconverties en hôtels de charme pour ne pas disparaître. On y découvre le mode de vie et le luxe tranquille des grands propriétaires terriens. En se révoltant contre un système qui les exploitait, les Mayas ont donné un premier coup à l'exploitation du sisal. L'apparition de la fibre synthétique lui portera un coup supplémentaire. Sur le littoral du golfe du Mexique, près de Celestun, une réserve naturelle a été constituée dans la mangrove. Comme s'ils étaient montés sur des échasses, les végétaux, comme les oiseaux, se tiennent au-dessus de l'eau pour trouver leur nourriture. La réserve de biosphère de Celestun, appelée aussi le parc naturel du flamand mexicain, doit son nom aux fameux échassiers. Les flamants roses restent ici car c'est un endroit où ils peuvent se nourrir. Ils se nourrissent essentiellement de plancton.
Le flamant rose est un oiseau emblématique du Yucatan. Et l'écosystème de Celestún est unique. Cet immense marécage allie les eaux douces de la Ria Celestún et les eaux salées du golfe du Mexique. Le chapeau, plus exactement le Panama, ou chapeau ripirapa, est la spécialité de Bécal, une petite bourgade de l'état de Campeche. Rien ne prédisposait Bécal à sortir de l'anonymat. Et pourtant, son destin a basculé au milieu du 19e siècle. Aujourd'hui, le tiers de la population adulte est concerné par la fabrication de chapeaux. Mais pourquoi la vie de la discrète localité a-t-elle ainsi radicalement changé? Réponse: un palmier nain importé par un prêtre catholique. Ses fibres ont la finesse de la soie. Elles sont à l'origine du célèbre chapeau. L'histoire du chapeau ripirapa vient d'Équateur. On raconte que pendant la construction du canal de Panama, beaucoup de gens importants utilisaient ce type de chapeau. Il a eu un grand succès au XXe siècle. Un riche propriétaire d'hacienda de la région, qui s'appelait Don Sixto Garcia, était chargé d'apporter des fibres aux gens d'ici. Ils lui offrirent en cadeau un chapeau qui venait d'Équateur. Il a beaucoup apprécié le chapeau et il demanda à des personnes qu'il connaissait en Équateur d'apprendre la technique aux gens d'ici. On a bénéficié de cette formation et c'est ainsi qu'on a commencé à faire ces chapeaux à Bécal. Ça fait 45 ans que je travaille dans le chapeau. Ça, c'est le processus pour faire des chapeaux ripirapa. Après les avoir affinés, on met les fibres dans le four avec du charbon et du soufre. Elles y restent toute la nuit. Le jour d'après, on les sort au soleil et elles deviennent blanches. Puis on les descend à la grotte car on a besoin d'un milieu humide pour les travailler. Ici, on ne peut pas les travailler, sinon on les casse. Dans une grotte sombre creusée dans le calcaire, la fabrication d'un chapeau ordinaire prend 2 ou 3 jours. Mais les plus beaux exemplaires peuvent exiger 2 ou 3 semaines de travail. Une fois qu'on a terminé le chapeau dans la grotte, on passe ici, à la presse, pour lui donner sa forme définitive. Différents chapeaux peuvent avoir différentes formes. Chaque chapeau va rester dans la presse environ 5 à 6 secondes pour prendre sa forme finale, comme celui-ci. Capitale de l'État de Campeche, la ville de Campeche est une des principales cités de la péninsule. Elle compte plus de 200 000 habitants. Sa position au bord du golfe du Mexique en a fait le port principal du Yucatán. Il a très tôt attiré les convoitises. Aujourd'hui, le port est surtout fréquenté par les pêcheurs qui s'approvisionnent dans les eaux poissonneuses du golfe. De nombreuses espèces alimentent les étals des pêcheurs familiers des eaux où prend naissance le courant chaud du Gulf Stream. Au XVIIe siècle, les pirates étaient si nombreux qu'on éleva une enceinte pour résister à leurs assauts. Dans les angles, des bastions verrouillaient l'accès au port. Dans l'un de ces bâtiments fortifiés, on a aménagé un musée archéologique. À l'intérieur, apparaît un masque funéraire en jade, la pierre sacrée chez les Mayas. Pour la finesse de leur sculpture, on surnomme les Mayas les Grecs du Nouveau Monde. Les Mayas appréhendaient la mort. Des objets familiers placés dans la sépulture étaient censés accompagner le défunt dans l'au-delà. Les gens du peuple étaient enterrés sous leur maison.
La ville de Campeche possède elle aussi un grand nombre de bâtiments sortis tout droit de la période coloniale, comme la cathédrale de la Conception. La diversité du patrimoine s'explique par l'importance de la ville, qui fut la tête de pont de la conquête espagnole au Yucatan. Les fonctionnaires de l'administration s'y sont installés avec leur famille et leur religion. L'église, élevée au XVIe siècle en l'honneur de Saint Romain, est assidûment fréquentée par les fidèles. Ils viennent pour une raison précise. Dans le cœur de l'église, le Cristo Negro fait l'objet de toutes les dévotions. Le Christ noir a été sculpté dans le bois d'ébène et apporté d'Italie. On lui attribue plusieurs miracles. Le centre historique de Campeche est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le plan et les bâtiments traditionnels ont été conservés. D'autres traditions sont entretenues depuis des siècles avec beaucoup de soin et on se transmet les secrets de fabrication d'une génération à l'autre. Avec l'aide d'une vénérable machine, on pétrit la pâte de chocolat. Luz Angélica de la Mora. Ça, c'est le chocolat prêt à être consommé. Ma grand-mère s'asseyait à la table. Et alors, on faisait des boules comme celle-ci. Et tous les enfants s'asseyaient autour pour faire les tablettes de chocolat. Le chocolat rappelle de chaleureux souvenirs familiaux. Mais il évoque aussi la mémorable histoire d'un peuple. Cela me rappelle que c'était une boisson privilégiée de nos ancêtres. Les Mayas étaient habitués à boire du chocolat, une boisson qui était réservée aux nobles, aux prêtres et aux guerriers. Quand les Espagnols sont arrivés, ils ont découvert notre cacao et l'ont ramené chez eux. En Europe, ils firent en quelque sorte une fusion de cultures en y ajoutant de la cannelle, des amandes et du sucre. Et voilà comment le cacao a donné le chocolat que nous connaissons. Un subtil mélange de différents ingrédients et de gourmandise. Délicieux! Vous voulez goûter? Aujourd'hui, à Campeche, les pirates n'inquiètent plus personne. Et à la fin de la journée, c'est l'heure de la détente. Quand le soleil se couche, on profite d'un instant magique. C'est le bon moment pour entretenir sa forme. Autre lieu d'animation nocturne, le Zocalo, la place de l'Indépendance. On y joue au loto collectif. 61. 42. 26. Il faut tourner le dos au golfe du Mexique et se diriger vers l'intérieur des terres pour atteindre les principaux sites mayas qui sont localisés dans l'état de Campeche.
Aujourd'hui, la forêt originelle a repris ses droits sur le site d'Etzna. Les fouilles ont révélé qu'au 7e siècle après Jésus-Christ, la ville comptait 70 000 habitants. Les édifices reflètent la puissance politique, économique et religieuse de la cité. Les édifices mayas occupent généralement une importante surface au sol et de larges esplanades s'ouvrent entre les principaux bâtiments. À Bécane aussi, la végétation est revenue. Pour certains historiens, la déforestation pratiquée par les Mayas pour construire leur cité a contribué à modifier le climat de la péninsule. Les fortes sécheresses qui en ont découlé pourraient avoir précipité la fin de leur civilisation. La cité de Bécane elle-même n'a pas échappé au problème d'approvisionnement en eau, alors que le mot Bécane signifie en maya « canyon creusé par l'eau ». Les noms des sites mayas sont très souvent riches d'enseignements. Découvert par un chasseur, le site de Chicana n'a pas de secret pour Eric Menoikuti. Le mot Chicana signifie « la maison de la bouche du serpent ». C'est précisément ce que montre cet édifice, dont la façade représente le visage d'un monstre de l'inframonde, représenté sous la forme d'un serpent ou d'un reptile. Si nous regardons aussi la plateforme inférieure, elle représente les maxillaires inférieurs de ce monstre. Si on se met juste à l'entrée de l'édifice, c'est comme si l'animal était en train de nous dévorer. C'est comme une porte magique à travers laquelle le souverain ou le grand prêtre devait passer pour accéder à l'inframonde. L'inframonde est une partie du cosmos maya. Il se compose de 9 niveaux que l'on retrouve dans les pyramides. Mais à Chicana, le concept de la pyramide est en déclin. Ce qui prédomine, ce sont des tours plutôt que des grandes pyramides. Les Mayas commencèrent à faire des édifices plus fonctionnels, des constructions plus horizontales au lieu des édifices verticaux. Ils commencèrent à augmenter le nombre de pièces plutôt que de faire des pyramides massives, comme on peut en voir par exemple à Calakmul. Calakmul, un exemple de la rivalité féroce qui opposait les cités mayas entre elles. Calakmul était un domaine très vaste dans cette région. Les mayas d'ici tentèrent de contrôler l'ensemble du commerce et de montrer qu'ils étaient la lignée la plus importante de toute la région. Ils commencèrent à rivaliser avec d'autres sites, principalement avec l'actuel Tikal, ou le royaume de Bac, qu'on appelle aujourd'hui Palenque. Calakmul arriva à détenir le contrôle, le pouvoir économique de toute cette région. Les gens d'ici lancèrent la construction d'une des villes les plus importantes de tout le monde maya. Selon les mayas, les dieux ont éprouvé quelques difficultés à créer l'homme. C'est au cours d'une tentative infructueuse qu'ils créèrent le singe. Les pyramides qu'on peut voir sur ces sites sont une remémoration de ce qui est arrivé au moment de la création du monde maya. À l'origine, le monde a été créé à partir d'une mer. Quand les dieux décidèrent de construire le monde, la première chose qui émergea, ce sont les montagnes. Les montagnes sont la représentation de la terre. C'est dans les montagnes que se trouve cette grotte magique qui permet l'accès à l'inframonde. L'histoire donne des clés d'accès
à la péninsule du Yucatan. Une part d'ombre subsiste pourtant, l'énigme de l'effondrement mystérieux d'une civilisation. Mais il reste la vitalité d'une culture nature, la culture maya.